Salut nous. Et nous remercions de ce que nous venons au commissariat pour être capable de chercher des informations et au lieu que nous étions sous rumeur. Oui, effectivement, il y a un cadre de travail que la police a fait dans la juridiction. Et nous avons rassemblé quelques informations sur des activités criminelles qui ont fait au niveau de la 5e section Saint-Marc. Je parle de la 5e section, on a parlé et de toute zone qui passait Timonet, qui passait Bocozel, Rivé, et dans la zone Guiton. Et il y a plusieurs plaintes que citoyens dans la zone ça a apporté contre des bandes armées cap marché fait exaction sur population. Tout dernièrement, pendant de nos radios et radio tête à tête, des grandes émissions, il y a plusieurs monde qui étaient relayés d'appeler contre une série d'individus qui ont profité de faiblesse ou bien de absence de la police dans la zone ça pour commettre des exactions sur le paysage. À savoir, et parmi la dame, yo prend des gens, yo prend bétail des gens, yo exige pour payer un rançon, pour bailler un cop, pour yo quitter le travail. Yo prend bête des gens, yo exige pour bailler un cop, yo la guigne. Ça, nous ne pouvons pas tolérer. Nous ne pouvons pas tolérer. Déjà, nous commençons à poser des actions et prouver que nous ne pouvons pas tolérer. L'information qui arrive chez nous, c'est que dans la zone Timonet, il y a une entreprise que Bandi Sayo a fait mes mises. C'est by mon pression. Et by responsable qui l'a eu. Ultimatum. Qui a été pris? Bon, je crois que c'est Timalis qui a eu. On me dit qu'il y a un succursale dans la zone Timonet. Pendant que nous travaillons sur le dossier, même nous parlons recevoir une alerte sur Mounzao et nous saisissons un camion, nous détournons un camion. Le ça, nous avons dépêché en patrouille de Libmo. Et il était arrivé courir des bandits. Il était couru, il était caché, il était inséré quelques sacs de riz dans la GIA. Et il était bien mené l'opération. Il était non seulement arrivé récupérer le camion, mais tout, et quelques sacs de riz que monsieur était inséré. Même population, dans la même population, ils étaient contents pour travailler à la police là, et ils ont montré cachette pour les voler les marchandises et les céréales. Et c'est comme ça qu'il y a deux dépôts qui étaient brûlés dans la zone. Deux dépôts qui ont brûlé pour manifester en guise de manifestation de et mécontentement de la population contre l'agissement. Et c'est la police qui brûle les dépôts, mais c'est. Bon, moi, je suis pas sur place, je ne c'est la police qui nous dit. Je suis pas sur place. C'est même mon yo qui s'est montré pour cachette. Le malfrat ça qui est arrivé, incendie, espace pour que vous serez butin pour vous prendre. La police a cherché plusieurs membres dans la gang ça. C'était qui est le SCP? Nous, pourquoi qu'on compte tout. Il y a un pile, c'est le nom que nous connaissons et de sobriquet. Donc la police a mené un cas. Mais dans le cas de ça, il y a une plainte qui est portée formellement contre le dénommé Paul Asmi. Et d'après, il y a eu un avis de recherche de MJ. D'après l'information que nous avons, tout Paul Asmi, ça a fait partie de un groupe que tout le monde dans la vallée de la Tibonite a connu. Qui connaît sous le nom et M. Gagné Adéo, qui dédié tête pour nos batailles
contre gang dans la zone. Malheureusement, si vous comprenez bien, il y a des brebis galeuses qui a fait et ou tapas qui créent propre activité par là. Mais il n'a pas quitté sous les comprendre. Donc, monsieur Sayo, arrivé, fait des bandes, hein, le chat a procuré dans la zone par là. Mais, d'après l'information qui est juste ici, c'est à Mounsa que nous avons cherché la famille de Nicolas Kéré, qui m'a dit chef de file, chef de bande. Quelques jours après, nous filmons à vidéo cherche là, et le dénommé Asmi, d'après l'information que nous avons, il était relé des mouns pour aviser la police. Que lui-même, personnellement, l'a mis l'ordre dans des zones, les marées, deux dans le gang Sao, au nombre de 35 personnes, il va arriver là-dedans, et on pourrait le quitter, déposer un côté, de surveillance pour la police de l'Union. Effectivement, deux noms de Sao, M. Bayou, c'est une liste de monde qui était boulé taille de monde après que la police finit. Récupérer camion que le monsieur était volé. Il y a deux mounsa qui continuent. Deux mounsa actuellement là dans la garde à vue. Tout à l'heure, nous allons permettre que les journalistes soient capables de gagner au moins gagner une séance de dialogue avec eux, la prendre qui est joué. Et nous capables de poser quelques questions concernant l'acte criminel qui est passé dans la zone Timoré. Pour comprendre bien ce pays, c'est Paul Asmi qui a arrêté deux individus ça eux-mêmes. Moi pas capable de certifier, je ne peux pas confirmer. Mais est-ce que la police? Parce que moi-même, je ne peux pas aller sur place. Je ne peux pas partout aller récupérer mon temps parce que n'importe quel individu qui va procéder à l'arrestation, n'importe quel infracteur. Donc, je ne peux pas mon temps. Et nous avons vu les policiers et nous avons rentré avec Mounsa. Mais nous-mêmes, nous avons parlé, nous avons posé une question pour nous dire qui est ce monde qui est possédé à l'arrestation. Mais ça n'a pas changé. Non, avis de recherche lancé pour la police lancé contre le dénommé à ça. Si lui-même, en tant que citoyen, ne voulait répondre à ça que vous cherchez. Que le bout de tête est venu et puis la justice a fait le même. Commissaire, deux mouns sa yo, est-ce que la police est gagné? Parmi en pile non capacité, en pile non moun qui fait partie du groupe armé cap. Théorise population. Théorise population et qui fait prendre naissance dans la zone Timoné. Pabli M. Dino, dans la zone Guiton, le Piba, ok, c'est là où tu as commencé. Ils sont restés avec des arrestations qui fait au niveau local, c'est Nicolas. Pas gagné, à ma connaissance, pas gagné arrestation que hier soir, mais hier, il y a des dispositions qui étaient prises pour nous être capables et faire une contrainte de corps sur deux victimes d'accident qui étaient trouvées dans l'hôpital Saint-Nicolas. Pourquoi? Ça a été attiré l'attention nous parce que tu as gagné le sécurité de l'hôpital là. Pour dire la police que gagné un individu armé qui vient menacer l'hôpital. Donc, on peut dépêcher une équipe, deux équipes, une équipe investigateur et une brigade qui était à regarder de quoi il en est. Effectivement, il y a gagné deux mondes qui ont fait accident. Et jusqu'à nous ne connaissons pas si c'est qui mené tête l'hôpital là. Mais si c'est deux mondes qui ont mené de toute manière, ils ont trouvé l'hôpital. Quelques temps après, au fin de la salle et d'urgence, il y a un groupe d'individus qui a fait pression pour rentrer l'hôpital. Là. Puisque la sécurité est opposée à ça, et bien, j'ai réalisé les armes sous sécurité. L'agent de sécurité n'a pas perdu du temps pour alerter la police qui a assuré que. Et de renforcer la sécurité de l'hôpital Saint-Nicolas. Mais l'individu Sayo pointé du doigt, c'est membre coalition qui a commis infraction ça.
effectivement, à pile monde identifié comme monde qui fait partie du groupe coalition. Mais on a mené une enquête pour nous connaître est-ce que c'est. Mais il y a une là-dedans qui est le Maïson, qui était dûment identifié par des témoins qui étaient là. Donc, monsieur lui-même, il y a un mandat. Il est venu pour la police, mener devant la justice pour la suite de ce Est-ce que la guerre a un geste qui fait